Je l'ai vu, hein. Je venais souvent ici, avant. Avant quoi? Vous avez dit... Je venais souvent ici, avant. Avant quoi? Avant... Avant rien. Puis-je vous poser une question personnelle, lieutenant? Est-ce que tous les androïdes posent toujours autant de questions indiscrètes, ou c'est juste toi? J'ai aperçu une photo d'enfant, dans la cuisine chez vous. C'était votre fils, n'est-ce pas? Ouais. Il s'appelait Cole. Nous n'arrivons pas à faire progresser l'enquête, on tourne en rond. Les déviants n'ont aucun point commun. Ce sont tous des modèles différents, produits à des endroits différents, à des moments différents. Il doit bien y avoir un lien. Ce qu'ils ont en commun, c'est cette obsession pour Hera 9. C'est comme une espèce de mythe. Une chose qu'ils auraient inventée, mais qui ne fait pas partie de leur programme d'origine. Des androïdes qui croient en Dieu. Putain, dans quelle époque on vit? Vous avez l'air préoccupé, lieutenant. Est-ce que ça a un rapport avec ce qui s'est passé à l'Eden Club? Ces deux filles... Elles voulaient juste rester ensemble. Elles avaient vraiment l'air... de s'aimer. Elles peuvent simuler des émotions humaines, mais ce sont des machines. Et les machines ne ressentent rien du tout. Et si on parlait de toi, Connor? T'as l'air humain, tu as une voix d'humain. Mais t'es quoi, exactement? Je suis tout ce que vous voulez, lieutenant. Votre partenaire? Votre copain de comptoir? Ou juste une machine? Conçue pour accomplir une tâche. Ça t'a fait quelque chose quand cette fille s'est suicidée, Connor? Ou est-ce que t'en avais absolument rien à battre? J'ai simplement exécuté mes instructions. J'ai fait ce que j'avais à faire, c'est tout. Mais est-ce que t'as peur de mourir, Connor? Je trouverais ça clairement regrettable, d'être ainsi... interrompu, avant d'avoir pu conclure cette enquête. Qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur la gâchette? Rien du tout. Le trou noir. Le paradis des robots. D'où vous vient toute cette colère, lieutenant? Une sorte... de traumatisme non résolu. Tu te prends pour un petit génie, pas vrai? Toujours une longueur d'avance, hein? Éclaire-moi un peu, Einstein. Comment savoir si t'es pas un déviant? Je fais des diagnostics réguliers. Je sais ce que je suis, et je sais ce que je ne suis pas. Où allez-vous? De mettre une mine. Besoin de réfléchir.